Bonjour à tous, c'est MaroGaming X9 qui vous présente une vidéo d'horreur sur Amnesia. Oh putain, c'est 21h, je suis vraiment 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 fatigué. Demain c'est l'école, des examens, mais bon, c'est pas grave. Je vais rester avec vous, je vais faire une vidéo là. Créer, sélectionner. Bon, je crois que vous... C'est quoi ça? Ok, on va commencer. Putain. Putain. Allez, on commence. N'oublie pas. Certaines choses ne doivent pas être oubliées, l'ombre me pourchasse, je dois me dépêcher. Mon nom est Daniel, je vis à Londres, dans le quartier 2 de Mayfair. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est fou, n'oublie pas, je dois l'arrêter, concentre-toi. Ok. Mon nom est... Et je suis Daniel. Je m'appelle Daniel, je crois. Ouais, c'est ça. Non, putain. J'ai mes mains qui tremblent là. Mais c'est pas grave. On va tester ce jeu. Je crois que je suis mort là. Je suis en vie là, je crois. Ouais. Je crois dans ce jeu, il faut certainement que le son marche, sinon on va rien entendre. Vous allez rien entendre. Un mémento a été ajouté à un journal, au journal. Pour un accès rapide à vos mémentos, pressez M. Assurez-vous de les examiner avec précision lorsque vous êtes bloqué. Pardon. J. Note. Et M. Ah, ce sont les mémorises. Ok, on va... C'est quoi ça? Aucune boîte d'amadou disponible. Ok, c'est une porte. Maintenant, enfoncez le bouton gauche de la souris et bougez la souris pour déplacer la porte. Pressez le bouton droit de la souris pour ouvrir ou fermer la porte en fonction de la direction dans laquelle vous regardez. Ok. Ah, c'est ça l'amadou. Ok, j'ai compris. Mais c'est tuer! Pourquoi tu me fais ça, putain? Non. Faut que tu sors de ce château, putain. Non, je vais pas sortir. Salaud là. Allez, on termine. Ce jeu, faut vraiment que je fais la caméra, je la place devant moi et je commence à filmer en live avec vous. Ça va être un peu du fun, ça va être trop trop du fun avec ce truc là. Ouais, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est pas là. Oh non, je vais pas mourir encore, je vais pas m'évanouir. Ok, lorsque vous saisissez un objet, appuyez sur le bouton droit de la souris pour le lancer. Maintenant, enfoncez R et déplacez la souris pour faire tourner l'objet. Ah, ok. Zien Radin. Tout se passe bien. Oh putain. C'était quoi ça? La porte qui s'ouvre. C'est pas grave. Ah, l'Amadon est ici encore. Il faut suivre les pas. Mais bon. Je vais les suivre, mais... Faut que je fais une tournée ici. Pas mal le jeu. J'aime trop trop bien. Sinon, si vous aimez que je fasse plusieurs vidéos des jeux d'horreur...
pouce vert si vous aimez. Ok, je tourne. J'entends quelque chose là. J'entends quelques pas qui montent. Putain, je suis peur là. Ok, je suis. Mais pas. Ah! C'est par ici. Ok. Oh! Oh. C'est quoi ça? Oh là là, je m'évanouis encore. Putain, j'ai le cœur qui tremble là. Oh non, c'est quoi ça? C'était quoi ça? Alors, message chair, tu vas m'aider. Allez, par le premier. Non, non. Ok, on termine. Qu'est-ce qu'il y a là? Toujours des amadans, des boîtes d'amadans. Je veux vraiment une lampe. Ça va m'aider trop, 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 vraiment trop. Allez, on termine. Mais c'est tué! Tu! Ne me laisse pas! Arrête. Allez, un peu de fiction, la vieille archive. Allez, on va rentrer. Je crois que je voulais. Non, non, non. Désolé. Désolé. Je fais des fautes là, parfois, mais bon, c'est pas grave. Je suis nouveau, mais. Putain. Conseil, si vous assistez à des événements perturbants, votre équilibre mental ne sera, en sera affecté. Il peut être régénéré en progressant dans le jeu, en solutionnant dans des casse-têtes. Ok. Bon, je vais vous laisser ici avec ce jeu merveilleux qui s'appelle Amnesia. Je vais faire le lien de téléchargement dans la description et. Allez pour un autre jeu, pour la partie 2 sur ce jeu. Je vous laisse et à plus.